Fait record pour Bayern de Munich dans la Ligue des Champions. Buka Osaka, une statistique intéressante pour une participation dans la compétition. Manchester United doit gagner s'il veut qualifier. Nouvelle sous Casemiro d'équipe Manchester United. Là. Résultat quelques affiches qui étaient jouées hier dans la Ligue des Champions. Bonjour tout le monde, c'est avec un peu de plaisir et un peu de content. Nous arrivons à rentrer la carrière capable de porter pour l'autre sortie émission Tribune Sport. Émission qui est capable de au parfum, qui est informé de toute dernière actualité sportive, que ce soit sur le plan local ou encore à l'échelle internationale. Jude Bellingham, venu premier joueur dans toute l'histoire Real de Madrid, qui arrive marqué dans les 4 premiers matchs liés dans sa qui a avec Ligue des champions. Bayern de Munich a été sur une série de 17 victoires dans la phase de groupe Ligue des champions, mais malheureusement, ça finit pour l'équipe Bayern de Munich. Jude Bellingham a un match qui était face à face équipe Real de Madrid face à Naples, et bien joueur a fini meilleur joueur match là avec un goal et une passe décisive. Gabriel Jesus, bon côté parle, a fini meilleur joueur pour match qui était face à face équipe Arsenal face à Lens. Lens qui est vraiment prend une raclée dans main équipe Arsenal. Officiel PSV qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions pour saison 2023-2024. Pas seulement gagné équipe PSV, gagné tout Arsenal qui arrive qualifié pour 8e de finale Ligue des Champions saison 2023-2024. Hakim Ziyech qui a fini meilleur joueur match qui était metté face à face équipe Galatasaray face Manchester United. Bukayo Saka, monsieur a lui-même déjà gagné 7 goals pour 5 matchs que joué dans la Ligue des Champions saison ça. N'après appelé ses premières apparitions joueur dans la compétition, il surtout a fait un bon début dans la Ligue des Champions. Manchester United, s'il avait qualifié pour les 8e de finale 2023-2024, et bien obligé dans Old Trafford là gagner équipe Bayern de Munich là, ça qui pas vraiment une tâche facile. Est-ce que Erik ten Hag va suspendre avancer dans la Ligue des Champions pour saison ça? Pour interrogation. N'a perdu 3 dans match li joué à l'extérieur contre Real de Madrid dans compétition officielle, li tombé 2-0 en septembre 1987 dans sa qui en avec Coupe d'Europe des clubs champions. Il est tombé 3-1 face Real Madrid en février 2017 dans la Ligue des Champions. Il est tombé 3-2 là avec la Ligue des Champions. C'est-à-dire n'a pas une chance bon côté équipe Real de Madrid. Là. Inter de Milan, nous connaissons qui sont club italien. Et sous 12 déplacements, il fait aller dans le pays Portugal pour la jouer dans la compétition officielle avec le club Sayo. Et bien, il a seulement gagné 2. Bien, statistiquement, c'est 6 matchs. Nous connaissons 4 défaites. Newcastle vraiment intéressé pour capable gagner Mr. Kou, Hugo Tiki attaquant français en prêt. Tandis que gagner West Ham à Crystal Palace qui vraiment voulait recruter attaquant français. Casemiro en équipe Manchester United là, plusieurs sources ont confirmé que Bayern de Munich voulait gagner le terrain brésilien. Et bien selon dernière information tombée là, et bien Bayern de Munich pas gagné Jolan dans vision. Plusieurs clubs dans la première ligue là intéressés avec Openda. Openda qui pour le présent moment a évolué sous couleur équipe RB Leipzig qui sont belges. Eh bien, n'a pas su pour être capable de déposer la patrie sous Jol. Sélection nationale féminine senior a gagné pour aujourd'hui à compter de 8 heures contre Costa Rica. À l'aller, n'a pas appelé Costa Rica est tombé 1-0. Nous pas gagné présence Melchi Daël du monde pour citer que Melchi. Eh bien, aujourd'hui là, nous devons soit gagner match là ou bien faire un match. Scaloni, nous tout connaît qui c'est entraîneur sélection Argentine, et bien monsieur là t'a décidé pour le cadre quitter ça après Copa América 2024. Les équipes qui déjà éliminées dans la Ligue des Champions pour saison 2023-2024 là, gagné Benfica, Antwerp, Celtic, Étoile Rouge de Belgrade, Feyenoord, RB Salzbourg, Union de Berlin, Young Boys, c'est équipe qui déjà éliminée dans ça qui est avec Ligue des Champions. Il y a un match pour 5e journée, deuxième tranche match qui t'a joué. Et bien, mes résultats qui tombent là, Galatasaray fait 3-3 avec l'équipe Manchester United. Là. Manchester United qui était en déplacement dans le groupe A. Dans le groupe B, il y a Séville qui est tombé la qualif face à PSV 3-2.
gagné dans groupe A Bayern Dominique qui fait 0-0 avec Copenhague, ça qui mettait en fin de série de 17 victoires et sans connait défaite dans phase du groupe pour Bayern Dominique. Dans groupe B, Arsenal pulvérisé équipe Arsenal. Dans groupe C, il y a Real de Madrid, La Caline, Santiago Bernabéu qui rivé gagné équipe Napoli 4-2 avec Bellingham, Luis Diaz, Rodrigo, monsieur Oti au plume de pan. Dans groupe C, il y a Braga qui fait 1-1 avec Union de Berlin. Dans groupe D, Benfica fait 3-3 avec Inter de Milan. Pourtant Benfica a mené 3-0 dans rencontre ça. Dans groupe D, Real Sociedad fait 0-0 avec RB Salzbourg. Merci pour ce que vous partagez, merci pour ce que vous like. Rendez-vous à Sport Central pour demain. Merci tout le monde.